has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy. Ouais, blabla. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour un jeu fantastique que je pense que vous avez connu et reconnu déjà par son introduction et en même temps parce que vous avez cherché le jeu par son titre. Il s'agit bel et bien de The Darkest Dungeon, un jeu vraiment bien, inspiration RPG un peu, ça me fait penser un peu à un RPG plateau si vous voulez, avec beaucoup d'aléatoires, une présentation très soignée et vraiment quelque chose de très intéressant. Il a été kickstarté, c'est-à-dire que son développement a été permis par la communauté et par leurs dons envers le développeur du jeu. I see something long absent in the sunken faces of passers-by. A glimmer of hope. Hop. C'est parti. Alors, aujourd'hui on est dans une vidéo pour Friends Fun Games et je vais vous faire une présentation très globale du jeu, assez précise. On va faire le premier pas si vous voulez. The Darkest Dungeon, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où par équipe de 4 maximum vous allez être amené à réaliser des donjons qui sont ici. Donc ici il y a 1, 2, 3, 4, 5 environnements et là différents donjons avec différentes quêtes que vous voyez ici. Voilà, c'est ça le principe du jeu, mais c'est pas réellement le plus intéressant. Ici, vous avez une liste, 12 sur 13, ce sont des héros que je peux enrôler, voilà, recruter de nouveaux héros, que je peux enrôler dans le village, et ils vont me servir à réaliser des groupes de combattants pour faire les donjons qu'on vient de voir. Ok. Alors, je pense que déjà ça fait une bonne base. Pour recruter de nouveaux héros, on en a ici toutes les semaines. Alors, les semaines sont découpées par donjons, en fait. La semaine 1, vous faites un donjon. Une fois que le donjon est fini, que vous revenez en ville, on sera à la semaine 2. Ok? Allez. Je pense qu'on va pas faire plus de blabla que ça. Et on va partir direct. On va se faire un petit groupe, je pense celui-ci, là, de niveau peu élevé. On va partir avec ça. Hop, j'ai augmenté l'arme de celui-ci. On va partir, ça me permettra d'avoir du temps pour expliquer en fait. Et une fois qu'on rentrera au village, on pourra faire un petit débrief. Ok. Alors, ça va être bien. Alors là, pour l'instant, on va partir sur une vidéo très tutorielle, si vous voulez, didactique. On va essayer de comprendre les mécaniques du jeu au maximum. Alors, vous voyez qu'au maximum, j'ai des niveaux 2. Alors, il y a de grandes chances que je fasse énormément d'erreurs d'explication. Ne m'en tenez pas rigueur, aidez-moi plutôt à m'améliorer. Mais là, je pense que je vais faire une petite présentation du jeu, ça va être plutôt bien sympa. Maintenant qu'on a créé notre groupe, donc là on a essayé de faire quelque chose d'assez homogène. Donc ici on a un guerrier en armure lourde, ici une sorte de berserker, ici un magicien du poison, une sorte de chimiste, et ici un clerc. Donc on a quelque chose de plutôt homogène. On va partir pour les provisions. Donc on va prendre ce donjon là. L'objectif principal de ce donjon est d'explorer 90% des salles et dans l'environnement du bosquet. Ok, ça c'est les récompenses fixes qu'on va avoir si on arrive à la fin de cet objectif. C'est parti. On passe aux provisions. Faut savoir que pour chaque donjon, on peut acheter des provisions qui seront uniques à ce donjon et pas réutilisables pour les autres. C'est-à-dire que si on a des provisions qu'à la fin du donjon, elles sont inutilisées, on n'aura pas de remboursement d'argent et on ne pourra pas utiliser ces provisions pour le donjon futur.
Alors ça, c'est mes premières observations. Je suis pas certain que ce soit vrai, mais ça m'a l'air. Allez, on va partir. Donc là, on va plutôt bien se garnir, vu que c'est un groupe pas très costaud. Voilà, on part un peu à tous les imprévus. Je vous expliquerai après au fur et à mesure pourquoi j'ai pris telle ou telle fourniture. Je pense qu'on va partir comme ça. Je peux la rendre ? Ouais, je peux la rendre. Ok. Impeccable. Je vais vous faire un petit topo rapide. Ici, la nourriture, elle va être utile dans deux cas principaux pour cette mission de faible envergure. Hors combat, on peut faire manger de la nourriture à un de ses personnages. Ça va lui restaurer un pourcentage de ses PV. Je dirais de l'ordre entre 5 et 10%. On va dire nos personnages, là, ils ont entre 20 et 30 PV. On va dire qu'un personnage à 30 PV, il va récupérer 2 de nourriture par unité de... 2 de vie, pardon, par unité de nourriture. Et une personne qui a 20 PV, ce sera 1 de PV par unité de nourriture. Ça sert à ça, et également, on a des événements aléatoires qui arrivent en plein donjon. Par exemple, on va nous dire, votre groupe est affamé, vous avez deux choix, ou vous le nourrissez pour tant d'unités de nourriture et il va regagner tant de pourcentage de vie, ou vous n'avez pas les ressources pour le faire, ou vous choisissez de ne pas le faire, et ils vont avoir des malus en vie et en stress. Le stress, c'est une mécanique très très importante dans le jeu, et on va voir ça au fur et à mesure du donjon. Deuxième provision très importante, la torche. Augmente la luminosité, mais pas que ça. Le groupe, s'il se balade de manière très éclairée, il va pouvoir avoir plusieurs choses, plusieurs bonus. Il aura peut-être moins de chances de critique. Par contre, il va avoir une meilleure visibilité. Donc ça peut vous aider très légèrement à l'œil, mais c'est pas vraiment ça qui est le plus important. Ça va aider votre groupe à moins stresser dans son environnement, vu que les personnages, surtout de faible niveau, sont très altérés par l'environnement. Ça va vous permettre aussi, en arrivant dans des salles, d'avoir une chance, un pourcentage de chance, d'avoir l'événement reconnaissance, ce qui va permettre de scouter, donc de découvrir ce qui vous attend dans les prochaines salles aux alentours, et avec de moins en moins de chance, vous pouvez scouter encore de plus en plus loin, voire avoir un scouting qui fait tout le donjon. Ensuite, on a la pelle. Ça, c'est très important parce qu'il y a des choses qui nécessitent une pelle qui peuvent être très handicapantes si vous en manquez une. Par exemple, dans le bosque, il me semble que c'est des arbres un peu pourris qui vous bloquent le chemin, en fait. Et vous pouvez décider ou de l'enlever à la main, ou d'utiliser une pelle. Mais à ce moment-là, si vous décidez de l'enlever à la main, vous allez avoir d'énormes malus sur votre équipe. Quelque chose comme entre 15 et 25 de stress, je dirais, pour chacun de vos 4 compères, et 2 à 3 PV de dégâts. Ensuite, on a un classique anti-venin, des bandages et une clé qui peut servir à ouvrir un coffre et avoir plus de loot. Ok ? Donc classique. Donc là pour l'instant le stress pour vous c'est peut-être assez assez tabou, mais vous allez voir que ça a très bien se passer. Ce jeu c'est vraiment une pure merveille et on va faire une petite découverte ensemble. J'espère que vous connaissez pas trop, sinon vous venez de manger 10 minutes un peu inutiles. Allez c'est parti, on embarque. Le bosquet. Alors là je suis sur un patch FR qui est en traduction, donc il n'y a pas forcément tout traduit. Alors, on arrive sur l'interface. Ici, vous voyez la torche. Donc, j'ai 2 plus en reconnaissance et 2 plus en monstre surpris. Si les monstres sont surpris, alors ça m'est jamais encore arrivé. Enfin, ça m'est arrivé qu'ils soient surpris, mais ça m'est pas arrivé le chose que je pense qui se passe quand ils sont surpris. Quand ils sont surpris, il me semble qu'ils ont une chance de changer leur ordre. Vous voyez qu'ici, on est organisé d'une certaine manière et cet ordre est très important. Par exemple, si mon groupe est surpris, il peut se passer que mon chevalier se retrouve en troisième position et mon mage plus ou moins en première, ce qui est très dangereux et ce qu'on aimerait éviter étant donné que logiquement une personne qui lance des poisons va pas forcément être en première ligne. Ok, pourquoi je dis ça? Vous allez voir ici, j'ai les compétences de mon personnage, ses points de vie. Alors ça c'est quoi? C'est son stress, donc 10 unités sur 100 unités et ici ses stats. Ok, donc c'est très RPG comme je vous l'ai dit précédemment. Alors pourquoi la position est super importante? On va prendre par exemple la première compétence, coup violent de niveau 1. Okay, c'est une attaque de mêlée. Elle a une accuracy de base, une précision de 80% de toucher la cible. Et sur soi-même, ça veut dire un bonus pour lui, s'il utilise cette compétence sur un type de monstre impie, il aura 15% de dégâts en plus.
Ensuite, j'aimerais bien avoir un autre truc. Voilà, le dommage mode. Ici, le dommage mode, c'est qu'on va prendre ses dégâts de 6 à 12. Alors déjà, c'est des G de dés. C'est de l'aléatoire qui est quand même très large. Donc on peut avoir des bonnes surprises comme de très mauvaises surprises. Et le dommage mode, pardon, c'est un malus déjà de base sur l'attaque qui est de moins 55%. Donc le G, si l'attaque touche, pardon, donc elle a 25% de chance de rater, il va déjà être de 6 à 12 les dégâts, mais 55% de moins de 5 à 12. Donc on va faire 45% de 5 à 12 dégâts. Je sais pas si vous avez compris, mais normalement c'est assez clair. Et là, ça s'explique tout simplement parce que vous voyez ici, on a 4 traits jaunes, 4 bulles jaunes à gauche de l'encadré. Je vous montre avec mon doigt, mais ça vous aide pas grand chose quoi. Ça veut dire que ce personnage, de n'importe quelle position où il est dans le groupe, 1, 2, 3 ou 4ème, il peut utiliser cette compétence et il touchera dans tous les cas le premier, le second et le troisième ennemi de la formation adverse. Ok, donc là classique. Et lui, il est normalement au fond. Vous voyez que toutes ses compétences s'utilisent, à part celle-là, mais ça c'est parce que il est niveau 0 et il a des sorts qui lui servent pas vraiment à grand chose. Mais ici c'est un healer, donc on va utiliser simplement ce heal. Et le heal que j'ai acheté, je crois. Je l'ai acheté, alors ça va nous permettre de passer à ça. Alors, ici vous avez la fiche de personnage, c'est la même pour tout le monde, c'est juste qu'elles seront plus ou moins différentes. Ici il y a l'arme, l'armure. Alors, il me semble pas qu'on puisse les changer contre des armures légendaires, des armures qu'on loot, des choses comme ça. Ici on a deux accessoires, pardon, que par contre eux on peut loot. Ok, les statistiques de base sont ici, les résistances sont là. Le bonus de classe, j'en ai pas encore vu. Il me semble. Ici, c'est les spécificités du personnage. Alors, quand on recrute des personnes dans la diligence, comme vous avez vu au tout début, elles ont quelques spécificités de base. Et au fur et à mesure des donjons et comment ils se passent, elles vont acquérir de nouvelles spécificités. À gauche, vous avez les spécificités qu'on peut dire avantageuses, des bénéfices. Et ici, des malus. Ok, on va lire les siennes. Si il est dans le donjon Le Bosquet, donc c'est celui où on est, ça tombe bien, il a 10% de chance d'activer l'event reconnaissance, donc ça c'est bien. Et en plus, c'est un bon pour le bosquet, donc ça tombe bien. Il a encore un truc de reconnaissance, donc là 30% en plus d'avoir de reconnaissance, donc il y a de fortes chances qu'on l'ait. Par contre, peur des bêtes, donc là, s'il se trouve face à un groupe d'ennemis où il y a des bêtes, alors ici il y a des chiens, donc je pense que ça pourrait arriver, il aura 15% de chance de moins de résister aux events de stress, à toutes les attaques ou les... à toutes les attaques qui peuvent provoquer du stress, et il aura moins 10 de précision s'il veut attaquer une bête. Donc voilà, ici c'est son niveau, et ici c'est son niveau de stress. Ça c'est son icône. Ça c'est la position préférée en fonction du set de sorts qu'on lui applique. Par exemple, ici on a un sort qui peut se placer en deuxième, non, en dernière ou avant-dernière place du groupe. Si je lui donne ce sort, le jeu va me dire... la position préférée de ce personnage, c'est plutôt 3ème ou 4ème du groupe. Et les cibles préférées, étant donné que ce sort et ce sort sont les deux seuls offensifs, et qui visent le premier et le deuxième de ligne, ils me disent que les cibles préférées de ce personnage avec ce set de sorts sont les premiers de la formation adverse. Alors moi, je vais lui enlever celui-ci, et je vais mettre le soin de groupe. Et ici, c'est les compétences de campement. Alors c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire dans les provisions. Pour des missions plus longues, on peut avoir un campement. Ça va faire que notre groupe va s'arrêter. On verra ça sûrement dans un prochain épisode, ou après cet épisode qui est plutôt tuto, on partira vraiment dans des runs classiques, on va dire. On peut poser un campement, et à ce moment-là, on va se restaurer, utiliser de la nourriture pour baisser son stress et augmenter sa vie. Et ensuite, on va avoir 12 unités de campement. Alors de base, c'est 12, je pense que c'est peut-être augmentable, améliorable. Et on a des compétences de campement. C'est-à-dire que ce personnage, s'il est dans notre formation de 4, lors du campement, il peut utiliser ses compétences. Les 4 compagnons ont 12 points à se répartir entre eux. Okay. Par exemple, je veux utiliser champ. Il est un peu long celui-là. Okay. Ça a ciblé un compagnon. Ça coûte 2 de temps sur 12. Okay. Si ce compagnon est religieux, exemple, là dans la formation, le chevalier est un chevalier pieux, il est religieux, et eux deux, je pense qu'ils ne le sont pas. Ok. S'il est religieux, ça le soigne de 15%.
et ça réduit son stress de 15. 15 unités sur 100. S'il est non religieux, par contre, ça va le soigner de seulement 5% et réduire son stress de 5. Voilà. Et ils ont tous des compétences de ce style. Chacun a son set. Et toutes ces compétences sont améliorables jusqu'au niveau 4 ou 5, sans dire de bêtises. Ou 4 ou 5, l'un des deux. Ok ? Maintenant, on va passer à la map. Alors, c'est un peu long, vous inquiétez pas, on va avancer. Ici, c'est l'endroit où on est, la salle où on est. Ici, c'est les salles où on peut aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok ? Et entre ces salles, vous voyez 4 petits blocs. Alors, dans ces blocs, il y a plusieurs events qui peuvent se passer. On va passer à la salle suivante. Ici, on va avoir un scrolling. Hop, sur le côté, comme ça, classique. Alors déjà, il mange du stress parce que c'est un niveau 0. Du coup, il y a des niveaux 0, il stresse alors qu'il se passe vraiment rien. C'est vraiment assez flippant quand on commence à jouer au début. Et vous voyez, hop, j'avance d'unité en unité. Hop, event. Ici, event, j'ai ça. Alors, c'est une tombe. Creuser en vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut déterrer la tombe à la main ou ignorer l'event. Mais on peut aussi glisser un objet et l'utiliser, ce qui va nous permettre de forcément déclencher quelque chose de... Enfin, de mieux déclencher l'event. Par contre, c'est une tombe, il peut se passer que notre héros n'aime pas ce qu'il y découvre. Alors, où on le prend la main, mais là, c'est un peu tendu. D'expérience, les tombes, on trouve... Si on y va à la main, c'est un peu dégueulasse. On va mettre une pelle. On dirait que le fait de creuser a trouvé du butin, et voilà. On a un bon premier truc. Alors ça nous prend de la place dans l'inventaire, mais ça va nous donner de l'argent à la fin. Et ça, c'est des trucs pour augmenter les bâtiments du village, ok? Et là, on est arrivé à la fin, on clique, on passe à la map d'après. Ah, un combat! Impeccable. Tour 1. Donc là, les combats très classiques. Est-ce qu'il va le pousser? Ah putain. Là vous voyez, ils ont tous mangé du stress. Ça les a déplacés, ils aiment vraiment pas beaucoup se déplacer. Et du coup, là c'est assez chiant parce que... En fait, c'est perdre un tour que de déplacer un personnage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va tester la percée. Vous voyez qu'une attaque qui en a AOE, on va avoir des petits plus ici entre les personnages. Ce qui prouve bien qu'on va tous les toucher. Alors là, j'ai 65% de chance. De toucher. J'espère vraiment toucher. Ça, c'est vraiment le stress quand les personnages sont bas niveau. Ah, il y en a un qui est esquivé sur deux, c'est plutôt pas mal. Pousser. Le pousse pas. Il a résisté, impeccable. Alors, est-ce qu'il peut faire des trucs? Ouais, il peut faire des choses à cette distance-là. Lui, il a un buff intéressant qui est de 15% de dégâts. Par contre, il marche qu'avec des poisons, en fait. À part ça. Et c'est pour ça que je sais pas si c'est un personnage très intéressant. Peut-être pas au début du jeu, mais quand les mobs ont beaucoup de vie, je pense qu'il peut se révéler pas trop mal. Et là, crit mode, ça veut dire que en plus des stats de base, il a 5% de chance de plus de crit. Hop là, on finit un mob. Le slime. Ah, 3 dégâts, ça peut aller. Alors là... Il a que cette compétence, ce personnage. Vous voyez que celle-là peut être utilisée en première ou seconde position, donc ici. Celle-là pareil. Celle-là dans les 4 positions. Alors, c'est un soin de 1 de vie. Ça rajoute 5 au score de torche. Vous voyez que là, on est à 76. Et ça soigne du stress. Alors, je pense, le combat étant pas très dur, je vais plutôt soigner du stress. Allez, on part sur ça. Soyez sache, le stress c'est très important. Incantation stressante, justement. Ces deux mobs qui génèrent énormément de stress. Ouais. Ça c'est bien quand même. Hein. C'est un sacré mob. Ah, pour l'instant elle a pas raté. Ah, tire-moi s'il te plaît, résiste pas. Ah putain, il résiste toujours quand on veut pas. Classique. Le coup classique. Allez, une attaque, esquive, dommage. Je pense qu'on va faire un petit heal de groupe. Là, on manque tous des PV. Hop là, et là, pour les bonus d'équipe, vous voyez, c'est pareil, ils sont liés. Donc ça va bien toucher tous les compagnons. Tour 3. On va faire du mono cible, esquive, dommage. Ce serait bien qu'il me pousse, ça mettrait mon chevalier en bonne position, impeccable.
Donc là, mon chevalier va pouvoir attaquer. Une fois que ce sera son tour, coup critique. Ça va le stresser direct. Oh, ça stresse tous. Ah, les coups critiques, c'est pas du bon, hein. Ah, j'hésite à faire ça, en fait, parce que ça fait vraiment pas énormément de dégâts. Je vais le faire quand même sur lui. Ah, un 5. Ah, dans mes souvenirs, ça faisait 3. Alors, vu qu'on lui a amélioré son arme au rang 2, avant de partir en mission, c'est peut-être ça qui fait que c'est un peu plus intéressant. Et là, on va partir sur un coup violent. Hop là! Le cavalier, il fait du bon monocycle quand même. Moi, je trouve, en tout cas, dans les faibles niveaux, il se révèle assez efficace. Ok. Allez, hop, la mort! Impeccable. Un combat rondement mené. C'est quoi ça? C'est bon, ça. On drop bien ici, dis donc. On a de bons drops, donc ça, si vous voulez. 100%. Là, par exemple, on peut l'équiper sur lui. Hop là, ça marche ou pas? Je sais pas, non, ça marche pas. Bon, ça marche que dans la ville, il me semble. Bon, ça, c'est un artefact, du coup, on peut l'utiliser comme accessoire. Ici, on a un coffre, donc on va utiliser la clé dès maintenant. 400 or, voilà, ah, un peu dégoûté. On va augmenter. Alors là, vous voyez, on est à 66 de stress, on a 66, pardon, de lumière. On a moins de reconnaissance, moins de monstres sous pic tout à l'heure. Et on commence à avoir du stress induit juste par la lumière. Vous voyez, ça vient de changer. Hop, et là on a un petit event de reconnaissance. Assez loin. Donc là on voit, ici c'est un trap. Ici c'est un event pour des récompenses. Ici c'est un combat. Ici il me semble que c'est vide. Mais je pourrais pas en être certain quoi. Allez c'est parti, ici c'est un trap. Ok. Donc on va utiliser quelqu'un qui a pas beaucoup de stress au cas où s'il se foire. C'est bon, impeccable. Parce que si on amorce un piège, on peut saigner, prendre des dégâts, entre 4 et 6, j'irai, dans les premiers niveaux. Et on prend une quinzaine de stress. Donc autant utiliser les personnes qui ont peu de stress et qu'on sait qu'ils peuvent tenir. Attention, combat. Oh, les araignées. Ça fait extrêmement mal, vous allez voir. Ah non, ça va. Ça marque, ça, il me semble. Ça marque et ça étourdit, ok. C'est les mobs de la mort, ça. Alors, ils font extrêmement mal. Quelque chose comme 6 à 7 par auto, et c'est plutôt quand même pas trop mal, vous voyez. Ouais, ça peut aller. Empoisonnement, ça commence bien déjà. Je crois que je vais buff lui, et on va essayer de faire je sais plus son nom d'attaque. Une percée qui fait un peu de dégâts, ce serait pas mal. Ah, elle est toute. Putain, étourdie quoi. Les mobs de la mort. Oh, vas-y, fais-toi plaisir. En plus, il résiste même pas aux empoisonnements. Esquive. C'est génial. Ça que je vous dis, c'est vraiment un jeu qui peut faire stresser. Attention. Ah, putain. Ça sert à rien. Franchement, bah ouais, j'en tape un. Esquive. Mais oui, bien sûr. Moi, je vais heal là. Heal de groupe ou pas? Là, il récupère 2. Là, il récupère 2. Il récupère 1. 4 à 5. Bon, allez, quand même. Quand même, le pauvre cavalier. Chevalier, pardon. Ah, c'est bon. Allez, on va faire un heal de groupe là. Comme ça, je les remonte tous. Au final, j'ai fait 5 unités de soins, si vous voyez. Donc, c'est quasi la même rentabilité. Est-ce qu'il y a plus d'accuracy? Ouais, quasi. Impeccable. Je l'aime bien ce mob, je pense qu'il y a quelque chose de peut-être pas mal. Attention. Ouais. Ah ben non. La grosse merde. C'est parti, on continue. Je vous rappelle, on a 90% des salles à explorer. Ici, c'est une carcasse. Et bon, j'ai du stress, pourquoi? On commence à plus avoir de lumière. Faut toujours faire attention au début, je me faisais avoir. Alors ici, pour pouvoir mieux examiner la carcasse, on peut mettre un bandage. Non. Oh putain. Je vais dire de la merde, je croyais. Voilà, le héros est affolé par la vue de cette carcasse. Ouais, zoophobie. Vous voyez, quand on fait ce genre de truc et qu'on se foire, on peut avoir des malus comme ça. Et maintenant, il me semble, voilà, si je regarde dans ses spécificités... En se foirant sur ce truc, bah maintenant dès qu'il va rencontrer une bête, il prendra plus facilement du stress. Donc faut vraiment faire super gaffe avec ce genre d'event
On se fait vite avoir en fait. Et toutes les provisions, il me semble, hein, elles ont une interaction avec un des trucs comme ça. Et ça permet d'éviter de se foirer en fait. Donc c'est important d'arriver à savoir qui fait quoi quoi. Alors je pense que je vais aller là puis je vais revenir sur mes pas. Alors, il me semble que revenir sur ses pas ça leur fait un peu de stress. Mais bon là ça doit aller. Alors les arbres je sais pas ce qu'il faut mettre devant. C'est un arbre. Bon ça sert à rien. Ah, les erreurs finiques fournies par votre groupe durant votre aventure leur a donné une grande faim. Voilà, ils vont récupérer 5% de leur vie. Donc là ça me sert pas grand chose étant donné qu'il y a que lui qui est blessé. Mais si on ignore, ils prennent cher, donc je vous conseille. Au pire, vous pouvez essayer une fois. Il me semble que j'ai jamais essayé, mais... Enfin, j'ai essayé une fois, c'est de... Enfin, j'ai pas pu manger pendant un campement à cause de... Ben, genre, en fait, j'avais déjà claqué toute ma nourriture. Je peux vous dire que je le ferai pas deux fois de suite parce que c'est quelque chose comme on perd 10% de notre vie et on mange 25 de stress partout, donc... Autant faire attention. Alors... Là, je prends un meuble... Un mec que je m'en fous, genre lui. Bon. Bah c'est encore crade. Ah ça c'est l'arbre, les arbres dont je vous parlais. Là il faut une pelle, sinon vraiment vous prenez... Bagdad en stress. Et au final en fait, c'est pas très important la vie, parce que avec ce genre de personnage, il y en a un autre aussi qui sert à... Il est un autre qui sert à, de support contre le stress, le Jester il me semble. Ah ça c'est du bon ça. En fait, ah oui, les coups critiques génèrent de la sérénité sur le jeu et ça baisse le stress de vos camarades. Je sais même plus ce que je voulais raconter en fait. Je viens d'oublier. Dommage. Non. Si, le stress, il me semble. Le stress en fait. Si, il faut. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Les PV, c'est pas le plus important. J'ai encore des pelles. Ouais, encore une pelle. C'est pas vraiment très important parce qu'avec les personnages de soutien, on peut arriver à se démerder et avoir quelque chose quand même d'assez correct à la fin. Plutôt pas mal ça. Et de pas mourir en fait. Le but c'est de pas mourir étant donné que quand on perd un personnage et qu'il meurt, il meurt définitivement pour l'aventure de n'importe quel donjon après. Donc il faut vraiment faire attention. Par contre quand on débute, il faut faire... faut apprendre assez rapidement à gérer au mieux le stress. Parce que d'un donjon à un autre, c'est très dangereux de prendre des gens qui ont une jauge élevée de stress. Parce qu'ils vont poser soucis. S'ils montent, en fait, si un personnage monte à 100 de stress, il rentre un peu dans un état de folie, de schizophrénie. Enfin, il change d'état et ça dépend, c'est aléatoire. Il peut être ou masochiste et à ce moment-là, il va refuser les heals. Il peut être irrationnel et refuser vos ordres ou faire de la merde, des choses comme ça. Et... Ou pas obéissant et par exemple si vous voulez le déplacer, il va dire « va bien te faire foutre, hein, c'est moi le chef quoi ». Il faut faire attention aux barres de stress. Ou il peut être aussi insultant, j'ai eu insultant et ça c'est vraiment horrible parce qu'il va générer du stress à tous ses compagnons en fait, en les insultant dès qu'ils attaquent, il va leur dire « t'as même ma grand-mère, elle fait mieux », des trucs comme ça. Et à chaque fois il mange 10 de stress par-ci par-là et... Sans un putain de bordel quoi. C'est parti, on a bientôt fini cette run et cette vidéo. Attention monsieur dame. Une fois qu'on rentrera, on fera une présentation rapide des bâtiments et de ce qu'on y fait. Maintenant qu'on a vu tout le jeu. Alors cette vidéo elle était peut-être pas forcément fun pour tout le monde. Je pense que elle était pas vraiment là pour. Oh j'ai plus de pelle. Oh putain. Bon c'est pas grave, c'est la fin du run, mais là vous allez voir que ça fait mal. Encore que là c'est un groupe caca donc ça me dérange pas forcément de... Ça me dérange pas forcément qu'ils soient un peu stressés mais... Mais vous allez voir que ça fait mal. Ah, plutôt ça fait ça. Oh c'est quoi ce bordel? Ok d'accord. Alors je connais pas bien ce donjon mais ce mob je l'aime pas bien quoi. Putain je croyais que j'avais là-haut. Et... Allez la claque. Une petite AO là de la dame. Petit coup de gourdin. Et hop! Allez, ils ont pas. Elle a pas raté, ça fait plaisir. Bien joué! Oh, bien joué! C'est bon ça! Bravo! Alors, attention à prendre cher. Je vous montre. Et comme ça, vous voyez que. Faut éviter. C'est parti!
Hop, hop, hop. 19, 19, 19, 17. Bon, là ça va, on était en forme, mais si vous êtes à plus de 50, ça peut commencer à être un peu danger, quoi. Ils sont surpris. Alors vous voyez, voilà, ils ont toujours été surpris, pas surpris, mais ils se sont jamais déplacés en fait. Ah merde, j'ai lui qui est derrière. Moi j'ai une compétence qui va empoisonner les deux du fond. Ah bah non, dommage. Ça peut être, je l'aime bien ça là. Ah bah vas-y, esquive tout. Attention. Ouais, le trait de génie. Pas mal, pas mal, pas mal. On va essayer d'en OS1, celui-là. Dommage. Ça résiste, ça esquive, hein, bon. Voilà, on a fini, donc en fait, si on perd des PV, au pire, hein, c'est pas non plus trop grave. Impeccable, un de moins. Donc là, on a réduit le nombre à 3, impeccable pour elle, c'est le touche. Allez, triple kill. As victories mount, pas dégueu. Après, c'est beaucoup de provisions, donc ça nous sert à rien. Légèrement entrouvert. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? L'eau bénite, ça, non? C'est un cercueil. Une torche? Non, de l'eau bénite. Bon, là, je peux tout claquer, c'est pas grave. Non. L'antivenin, bon, franchement, je pense pas. Petit bandage. Petit bandage, peut-être. Dommage. Bon, lui, on va lui donner l'antivenin. Ok, et on va utiliser la nourriture. Vous voyez qu'on peut utiliser la nourriture comme ça aussi, quand on est mal. Et lui, par exemple, il va récupérer que... Allez, on va l'ouvrir la main. Aucun objet de valeur. Alors, faire attention avec les trucs comme ça. Au début, je les ouvrais tous, et maintenant, j'essaie de faire un peu plus attention. Parce qu'on peut bouffer des malus, après, ça vous fait des personnages qui ont une quinzaine de malus, et qui vous servent vraiment plus à grand-chose après. Ok. Ok, ok. Donc là, on a déjà fini la mission, hein, vous avez vu, mais bon, on peut aller chercher un peu de loot, quoi. Ici, c'est un combat, je pense. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti. Une petite torche, hein. As the light gains purchase. Et go. On focus les ectoplasmes parce que, merci, quoi. Ils se démultiplient. C'est un peu cheat. Alors, elle, est-ce qu'on peut faire des... On peut faire percer. Ouais, tu peux te faire pousser, toi. Bon, pour l'instant, ça va, c'est pas dégueu. Tant que le chevalier, il se fait pas pousser, en fait, je suis pas trop... Hop là! Oh là 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 là! Oh là là, putain! La reine! Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs avec ce perso. Franchement, comment... Elle a brillé! Je voulais juste briller. Impeccable, impeccable. Allez! On a la quête. Là, on a le récap de la quête, tout simplement. On a la récompense de quête qu'on avait vu tout à l'heure. Et tous les items et les golds qu'on a pris vont s'ajouter. Et ici, c'est tous les héritages collectés, les objets héritages qui vont permettre d'améliorer vos bâtiments dans la ville. Ici, c'est l'XP qu'on a obtenu. Deux gains d'XP, ça fait passer celui-ci level 1, celui-ci level 1. Celui-ci était déjà celui-ci level 1. Et là, ça me dit que dans le donjon, à la fin, ça leur a fait gagner des traits de caractère. Oh putain. Bon. Ça c'est pas mal. Vraiment pas mal d'ailleurs. Ça. Moins 10 de précision, c'est hard. Et ça on s'en fout parce qu'elle tape pas. C'est parti. On rentre en ville. Et là on a un petit récap. On a un petit récap, semaine 13, donc c'est la semaine qu'on vient de passer si on veut. Voilà, donc là, ces 4 personnages ont réussi l'exploration du bosquet niveau 1 court. Il est passé niveau 1, il est passé niveau 1, elle est passée niveau 1. Et là, c'est d'autres personnages, donc c'est celui-ci, est revenu de sa recherche concernant la vision sainte. Et du four, a joué au jeu d'argent et a récupéré 69 de stress. Alors, une fois... que nos compagnons, nos chers compagnons, sont revenus d'une dure mission, hein, dans un donjon, il y a deux moyens que je connaisse de réduire leur stress. Vous voyez, la taverne est un bâtiment pour réduire le stress, l'abbaye est un bâtiment pour réduire le stress, par trois biais. Alors là, la taverne, où on met notre personnage à boire, ça nous coûte quelque chose comme 1000 pièces d'or. Là, je dirais que c'est de base, hein, parce qu'ici, on peut réduire les coûts. C'est ou réduire les coûts, voilà, quelque chose comme ça. On peut réduire les coûts. Ici, c'est 1000, 1250, 1500. L'abbaye, c'est les mêmes prix. Et hop, je vais faire jouer l'Ovet, là, au jeu d'argent.
C'est parti, comme ça, ça va lui réduire d'une soixantaine de points. Et je vais faire ici au cloître. C'est parti. Voilà, je vais pas claquer plus. Ça sert à rien. Ici, c'est le même principe, hein, ça réduit autant de stress. C'est juste qu'en fonction des traits de personnage de votre personnage, des traits de caractère de votre personnage, il va être plus enclin à aimer les jeux, l'ivresse, ce genre de choses. Et d'autres, par exemple. Ici, Reynold, il craint Dieu, et en ville, il ne pourra que prier pour réduire son stress. Donc, ce chevalier, si je lui veux lui faire réduire son stress, il pourra que aller dans le transept. Voilà, voilà. On a vu la fiche de personnage, on a vu l'abbaye, la taverne. C'est les bâtiments principaux. Ici, ça permet de traiter les spécificités, les maladies. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Ici, c'est une boutique d'objets rares. Ici, je vous ai déjà montré, c'est la diligence. Vu que c'est une nouvelle semaine, si vous avez été attentif, c'est pas les mêmes héros qu'on a. On peut améliorer le nombre de héros disponibles chaque semaine et la taille de notre garnison. Ici, je suis à 13 sur 13. Bon, là, c'est pas des persos qui m'intéressent forcément. Normalement, j'ai assez de healers, j'en ai 3. J'ai 3 healers, 3 machins, et après les autres, c'est un peu des DPS, des cacs. Et ensuite, on a deux bâtiments qui permettent d'améliorer nos personnages. On a la guilde. On va par exemple mettre ce personnage. Voilà, ce personnage. La guilde, elle va me permettre, jusqu'au niveau 5, d'améliorer les compétences. Donc voilà, tout son kit de sorts. De sorts d'attaque, hein, je parle. Et en fonction des améliorations qu'on va fournir ici, on va pouvoir apprendre à ce personnage à utiliser, récolter le butin du rang 1 au rang 2. Et vous voyez que ça change très légèrement les statistiques des sorts. Ensuite, on a le forgeron. Vous voyez ici, 1, 2, tout simplement le niveau de mon arme et le niveau de mon armure. Ici, de 5, 5 d'esquive, 29 de machin. Je peux pas voir l'évolution. Ici, je peux voir l'évolution, je pense. Voilà, de 5 à 9, je passe à 5 à 10. Et je passe à 3 de critique, par contre, la même vitesse. Voilà, voilà. Donc là, on vient de faire une run sur The Darkest Dungeon. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on a fait le tour. J'estime que je pense que j'ai bien expliqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous avez pensé. Est-ce que vous voulez des runs plus difficiles? Je pense que dans pas trop longtemps, on va pouvoir commencer à stater celle-là, quoi, les niveaux 3 vétérans un peu. Un truc un peu plus tendu, j'ai pas mis les pieds pour l'instant. Je me cantonne au truc de level 1. Va falloir s'y mettre un beau jour. Vous êtes sur Friends Fun Games, une vidéo sur cette chaîne. C'est une chaîne multigaming, n'hésitez pas à faire un tour. On a du HS1D1, du Starcraft, du Guild Wars, de l'ancien temps, ce genre de choses. Et bien, au revoir à tous, j'espère que ça vous a plu. Bonne semaine, bon week-end, bonne soirée. Au revoir.